Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, revue de presse, comme maintenant, à quasiment toutes les vidéos actualités. Donc, on va revenir sur des articles de Mundo Deportivo ou encore de sport. Alors, on va commencer par un article de Mundo Deportivo. Mais juste avant, pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et laisser un like euh, euh, sous la barre des commentaires. Donc, allons-y. On commence par Robert Lewandowski qui a donné une interview, une interview au journal L'Avanguardia, donc un journal espagnol, où il explique que encore une fois, il n'espérait pas arriver dans un club où tout va bien dès la première saison. Donc, Robert Lewandowski qui s'attendait à, on va dire, un défi, vu que c'est un homme de défi qui a accepté de jouer dans un Barça, on va dire, qui n'est pas au meilleur de sa forme qui a donc refusé de continuer à performer dans un Bayern déjà compétitif pour changer de vie, pour se mettre en danger, euh, etc., etc. Donc dans l'interview, elle est super intéressante. Hein. Interview où il explique notamment euh, que lorsqu'il est arrivé au Camp Nou, il sentait quelque chose de différent, qui te donne euh, une envie supplémentaire à gagner les matchs. Il a parlé des jeunes. Gavi, Pedri, Balde, Fati, en disant qu'il y avait pas mal de potentiel dans cette équipe, mais que les jeunes devaient prendre parfois les responsabilités et que ça va venir euh, avec le temps. Il a expliqué que le Barça normalement devrait être en huitième de finale de Ligue des Champions, donc c'est pas une situation normale, mais c'est un process, c'est un process qui peut mettre un petit peu de temps, et donc il demande de la patience aux supporters du FC Barcelone. Évidemment, on sait que c'est un défi de jouer dans un Barça jeune. Malgré ça, eh bien Robert Lewandowski accepte euh, de venir dans un club pour euh, se mettre dans une, euh, on va dire, quitter sa zone de confort, il, a, il, en a, il en a parlé. Évidemment, la vie à Barcelone est également différente et euh, ça c'est quelque chose qui l'a motivé à changer de championnat. Donc ça c'était super intéressant euh, au niveau de l'interview euh, de Robert Lewandowski. Il a dit qu'il était dans le club, qu'il a toujours voulu et qu'il se sent heureux et qu'il bah, y a des super mecs dans le vestiaire. Donc ça, c'était positif au niveau euh, de l'entente avec les, euh, les, euh, les autres joueurs. Et encore une fois, euh, malheureusement, malgré l'élimination en Europe, il a parlé qu'il y avait pas mal d'absences, et il a dit qu'on euh, était en train de grandir comme équipe, et euh, on s'est arrêté d'un coup, malheureusement. Donc ça, également, en prenant en compte les absents de marques comme Araujo, Koundé, ou encore d'autres joueurs qui étaient absents lors des matchs contre l'Inter de Milan. Donc... Aujourd'hui, ce qu'il demande, c'est du temps et de la patience. Donc ça, c'est pour l'interview de Robert Lewandowski. Ensuite, on peut, on peut parler de Lionel Messi. Alors, l'Inter de Miami est confiant concernant euh, la clôture de la recrue Messi après le Mondial. En effet, as un article qui est sorti de Athletic, donc un journal anglais, qui t'explique que... Bah, pour l'instant, l'une des options les plus avancées pour le futur de Messi, c'est l'Inter de Miami, qui appartient, je le rappelle notamment, à David Beckham. Il y a déjà des discussions entre Beckham et le clan Messi depuis longtemps. Messi a acheté même une maison à Miami. Néanmoins, tu as encore des possibilités. Paris, qui a l'intention de prolonger Messi. Et de l'autre côté, tu vois, nous, le Barça, qui euh, réfléchit à le signer une nouvelle fois lorsqu'il aura fini son contrat avec l'équipe parisienne. Donc, à suivre, mais du côté de la famille Messi, il y a toujours eu cette volonté, on va dire, d'aller en Floride pour signer à Miami. Il faut rappeler que Messi a 35 ans. Messi euh, est encore dans une forme, on va dire, assez... Euh, Assez dingue pour son âge. Et donc, pour moi, ça serait quand même assez dommage de le voir quitter l'Europe aussitôt dans sa carrière. Même si à la base, son contrat était de 2 ans. Donc, on savait qu'il allait faire 2 ans supplémentaires au moins lorsqu'il a quitté le Barça. Mais bon, vu sa forme actuelle, est-ce qu'il continuerait Je ne sais pas. Réponse donc après le mondial Barcelone, PSG ou Inter de Miami. Ensuite, on arrive à. Au prochain match alors Xavi a donné donc donne du temps de repos à Lewandowski hein, vu qu'il ne sera pas présent lors du match contre le Victoria Pilzen donc euh, lors du voyage en République tchèque absence également de d'Eric Garcia et Koundé avec des sur surcharges musculaires heureusement leurs blessures ne sont pas graves et donc pas mal de jeunes vont être convoqués pour ce match. Vous l'avez vu pas de Lewandowski non plus blessé, enfin une gêne à l'épaule et en plus on lui donne du repos. Toujours pas Araujo, Roberto, Memphis et Christensen qui eux aussi ne seront pas disponibles pour ce match. Donc il y a eu la convocation qui a été postée comme vous le voyez par le FC Barcelone avec pas mal d'absents. Mais bon, il n'y a pas d'enjeu à part une prime de 2,8 millions d'euros si le club gagne un match en Ligue des Champions pour l'équipe. Donc sinon aucune, on va dire, aucun intérêt de mettre l'équipe. A, ah, enfin l'équipe au maximum, alors que la priorité maintenant, eh bien, c'est la Liga. D'ailleurs, c'est pour ça que Pablo Torre, c'est maintenant ou jamais. Pablo Torre qui devrait donc gagner un petit peu de temps de jeu lors de ce match contre le Victoria Pizzen à l'extérieur. faut se rappeler qu il a quand même débuté, il me semble, il y a deux semaines. Il a joué quelques minutes, une fin de match. Puis il a joué. Voilà, 9 minutes contre le Victoria Pilsen en Ligue des Champions, 12 contre la Titi Bilbao et 8 contre le Bayern. Alors oui, c'est très très peu pour un jeune joueur, mais là, lors du prochain match, on va dire que bon, c'est obligé qu'il joue. Et donc, lors de ce prochain match contre le Victoria Pilsen, on verra probablement une défense centrale piqué Marcos Alonso, qui est, on va dire... Digne des plus grands films d'horreur euh, du siècle. Euh, franchement, ça fait flipper de voir une telle euh, composition, en tout cas une telle défense en Ligue des Champions. Mais bon, le match n'est pas important. Là, c'est juste vraiment pour, euh, pour la forme, on va dire, vu qu'on est de, de qualifié en Europa League sur à 100%. Ensuite, euh, euh, voilà donc pour toutes les informations, on va dire, du FC Barcelone. Comme je vous l'ai dit, Koundé. C'est pas grave, heureusement d'ailleurs. Donc ça, ça fait du bien. Euh, sinon, franchement, ça aurait été flippant. T'as la Coupe du Monde qui arrive. Ça aurait été vraiment dommage euh, de le perdre. On voit également euh, le Barça gravite autour de Lewandowski. J'ai envie de vous dire, heureusement qu'il est là. C'est lui qui marque tous nos buts. Décisive, franchement, quand même. Pichichi de la Liga, 13 buts en 12 matchs. Il a marqué également 5 buts en Ligue des Champions. Un mec qui vient à peine d'arriver, c'est quand même du haut niveau. Je crois que c'est du jamais vu en Liga depuis R9 quand même. R9, vous vous rendez compte Donc c'est quand même une grosse grosse performance pour Lewandowski. Il a marqué contre la Real Sociedad, Valladolid, Elche, Villarreal, Séville, Cadis, Mallorca, et Valence. Donc il y a quand même des équipes de qualité. Mais nous, ce qu'on attend, encore une fois, c'est performer dans des plus grands matchs. Néanmoins, on sait que Lewandowski, c'est un joueur qui dépend énormément. Bah, du jeu de ses coéquipiers, c'est logique, hein, c'est un numéro 9, même s'il est capable de faire autre chose que de marquer des buts, ça reste un mec qui est tributaire du collectif. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Donc voilà pour euh, la revue de presse, on va dire, de ce jour. Pas beaucoup d'informations, quelques absences. Donc le Barça euh, se dirige... Encore une fois, vers la, la… Enfin, on va lutter pour la Liga jusqu'au bout, à mon avis. Ça va être très très chaud. Et en tout cas, bah, c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, puisque le Barça est éliminé de cette fameuse Ligue des Champions, malheureusement. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Un petit article hein, le Barça suit de, de près Nicolas Jackson, l'ailier de Villarreal qui sera libre le 30 juin. Voilà. Ça c'est pour au cas où remplacer Dembélé s'il prolonge pas. Voilà pour les informations. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.